Cap de twerky. Ah non mais là mes poulets, non non mais c'est bien grave. Et là ça va mieux? Hey, salut à tous mes petits poulets, c'est Geekmap, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui mes poulets, on se retrouve pour l'FAQ 3. Ah bah oui, parce que l'FAQ 2 vous a tellement plu, tu vois, hein, plus de 4000 likes, tu sais, c'est énorme. Et en plus ça fait un mois qu'elle est sortie, du coup je me suis dit FAQ 3 mes poulets. Et n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire un unboxing d'un gros colis mes poulets. Et puis si vous voulez que je fasse les FAQ numéro 4, je vais vous demander 4000 likes en bas de cette vidéo. Vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire mes poulets. Et puis tu peux déjà me poser des questions pour les FAQ 4 en commentaire, je compte sur toi mon poulet. Et puis sur ce, ben, c'est parti. Pourquoi tu as fait des vidéos? Alors, il faut savoir mes poulets que je suis sur YouTube depuis 2012. Oui, je vous dis pas la voix que j'avais. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur Minecraft. Oui, le Kiko que vous avez entendu, c'était bien moi. Alors je fais des vidéos tout simplement parce que j'aime ça et que j'aime vous faire rire. Enfin, plutôt j'essaye. Non, car j'aime bien faire du montage, j'aime bien vous répondre en commentaire, j'aime bien m'éclater en fait, c'est tout. Comme j'adore éclater mon drone. Ah, merde, là il est pété. Montre-toi sans tes lunettes. Oh non, mais ça vous l'avez dit je sais pas combien de fois en commentaire. Donc, ok, je vais enlever mes lunettes, c'est pour vous faire plaisir. Attention, 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 et voilà. Geekmap sans lunettes, c'est un peu, voilà, c'est moche. Coucou! Fais-nous du beatbox. Ouais. Alors, niveau beatbox, je suis vraiment, mais vraiment débutant. Mais je connais un petit truc. Oh! C'est pas mal! C'est pas mal du tout! Non mais ça vaut un 15 sur 20. Non non mais sans blague. Dis-moi en commentaire si toi tu sais faire du beatbox. Tu te mets en slip et tu fais la macarena. Non mais t'as cru quoi toi? T'as cru aller mettre en caleçon et puis aller faire le macarena? Non mais jamais je fais. Comment t'es venu l'idée de créer une chaîne YouTube? Alors, mon idée de créer une chaîne YouTube, elle est depuis longtemps. Parce que faut savoir, avant que je fasse des vidéos délire comme là sur ma chaîne, oui, je faisais du gaming. Oui, tous les YouTubeurs sont passés par là. Et puis l'idée d'avoir créé ma chaîne, je ne sais pas, j'avais envie, comme tout le monde. Voilà, tout simplement. C'est comme si toi, t'avais envie d'un KFC, ben moi, j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube. C'est tout. Cap de twerky. Ah non mais là, mes poulets, non mais c'est bien grave. Non mais tout simplement, vous voulez ma mort, c'est obligatoire. Non mais le problème c'est à chaque fois qu'on me pose un défi, je suis obligé de le faire. Donc voilà, je suis obligé de le faire, voilà mes poulets. Bah. On va commencer, hein. Attention. Hop là. Tu fais du sport, si oui, de quoi? Alors, oui, je fais du sport, oui. Alors, le sport que je pratique, tout simplement, bah, je pense que tout le monde connaît, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui exercent le même sport que moi, tu vois. Donc, tout simplement, le sport que j'exerce, c'est la PS4. C'est les jeux vidéo, tout, ouais, tout ce qui est traction, c'est mon fort, quoi. Mais je cours, hein, je cours souvent, oui, bah, ah, ça oui. Montre-nous ta teub en plastique. Ah, ça, c'est un vrai, ça. Ça, c'est un vrai abonné, ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur l'impression 3D, j'avais imprimé un pénis en 3D. Oui, ça se fait encore. Me jugez pas, ok? Et puis tout simplement, je vais te la montrer. Elle est pas là. Ah, elle est là! Attention, le pénis en 3D! Ouais, il est assez petit, ouais. Voilà, c'était le pénis en 3D! Fais un dérapage avec l'overboard cart. Ah bah alors là, tu m'as défié. Attention, hein. Moi, je vais le faire. Quand l'overboard cart, il est là, tu vois, c'est juste pas de faire un dérapage. Et aussi, regardez le 360, vous allez voir. Phobie des bits MDR. Ouais, d'accord Isabelle. c'est un peu chelou là, ouais. Écoute, je ne te juge pas, hein, c'est pas mon problème, tu fais ce que tu veux. Es-tu en couple? non. Non, depuis ma dernière FAQ, je ne suis toujours pas en couple. Disons que je cherche une fille qui me supporte. Oh mes poulets, ce qu'on va faire, enfin je parle surtout aux filles. On va faire un truc débile, mais bon, ça peut être marrant. Si vous êtes une fille, n'hésitez pas à me marquer en commentaire votre âge, votre truc. En fait, vous faites un CV. Vous m'envoyez votre CV en commentaire.
Un CV, c'est quoi? Vous dites votre âge, votre caractère et votre physique. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Est-ce que vous avez les cheveux roses? Oui, j'aime bien les cheveux roses. Je rigole. Non, mais franchement, voilà, on fait ça juste pour rigoler. Allez, hop. Quelle imitation sais-tu faire? Ah, YouTube Kader, hein? On va s'amuser. Alors, quelle imitation sais-tu faire? Je sais en faire pas beaucoup, mais bon, je sais en faire quelques-uns quand même. Comme Homer Simpson. Attention, attention. Oupinaise, j'ai le trou du cul qui me gratte. Jean-Marc de Jeff Panaclock aussi, ouais, j'aime bien faire. Salut les troducs! T'es con toute la journée ou tu dors la nuit? Haha! Je sais faire Donald. Et un peu Jean-Marie Le Pen. Salut, moi c'est Jean-Marie. Ce que j'aime pas dans la vie, c'est le KFC et les Actimel. Oui. Jeanne, au secours! Je suis sûr de ne pas passer dans ta FAQ. Ah ben ouais, tu viens de passer. Non mais t'étais sûr de ne pas passer. Ben là maintenant je te prouve que tout est possible dans la vie mes poulets. Combien tu mets de temps pour faire tes montages vidéo? Alors, malgré que je fasse des réactions, des top 5 ou des vidéos délire, à chaque fois une vidéo me prend entre 6 à 7 heures de montage. Non, j'arrive pas à faire moins, ça doit être le fait que je fais beaucoup de montage et tout. Malgré que des personnes disent que je ne fais pas de montage. Il faut regarder les vidéos aussi, hein, faut pas s'arrêter aux miniatures. Fais-nous ta meilleure danse. Ah, eh, là c'est bien, là c'est un bon truc. Attention, la meilleure danse. Lidl. Et puis pour terminer, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai reçu quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment gros. Et puis tout simplement, on va faire un petit unboxing. Mais quand je te dis gros, c'est gros. Ah, tu me crois pas? Ah, d'accord. Et là, ça va mieux? Attends, parce que là, c'est lourd. Ah, attention, le tour de magie, attention. Hey, ouais, mes poulets. Oui, comme vous l'avez remarqué, j'ai maintenant une DxRacer, mes poulets. Et bien, tout simplement, ben, merci à DxRacer de m'avoir envoyé cette chaise, hein, parce qu'on est... On est putain de confortable, hein. Eh, regarde, tu peux faire ça, hein. T'es tranquille. Oh putain, je sens que je vais tourner la vidéo comme ça, moi. Non, sans blague, merci à eux, franchement, parce que c'est une putain de qualité. N'hésitez pas à aller voir leur site qui sera dans la description. Hein, vous allez visiter tout simplement, et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, hein, vous voyez. Et bien voilà mes poulets, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je compte vraiment sur vous. Si vous voulez que je fasse les FAQ numéro 4, on va demander 4000 likes en bas de cette vidéo. Je compte sur vous mes poulets, vous pouvez le faire. Et puis n'hésite pas à me poser des questions en commentaire pour ma FAQ numéro 4 simplement. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens seront en description. À activer les notifications pour voir mes vidéos avant tout le monde. Et puis sur ce, mes poulets, je vous dis... Abonne-toi.